Le caractère essentiel de la communauté des sonneurs réside dans son extrême diversité. La trompe sonne volontiers à l'occasion des manifestations publiques variées. Fêtes villageoises des récoltes, kermesses associatives ou des écoles, inauguration de monuments, concours hippiques, festivals. Animer de telles manifestations a pour effet d'élargir l'audience de l'instrument. On ne peut pas rester insensible au son des trompes. Ça émet des vibrations, des sonorités très particulières, et quand on entend ça dans le fond de la forêt, c'est vraiment impressionnant. Vroeg in de herfst geeft me dat oorengeschal een bibbering over mijn ganse lijf. Dat is impressionant. Het doet denken aan de natuur, de vrije natuur. Prachtig, wil ik niet missen voor niets. En 1723, le marquis de Dampierre est nommé gentilhomme des menus plaisirs du roi Louis XV. Il mit à la mode une trompe en ré à un tour et demi, la Dampierre. Ce nouvel instrument est caractérisé par un tube métallique conique, entouré sur plusieurs tours, sans trous, ni touches, ni pistons. De nos jours, la trompe d'Orléans actuelle est pratiquée en France, au Benelux, dans le Piémont, en Italie. Il est possible de construire une trompe ou corps naturel avec des moyens plus simples, voire rudimentaires. Un soin particulier est apporté par le facteur à la confection du pavillon qui est déterminant pour la qualité du son émis par l'instrument. En effet, le pavillon peut être soit mécaniquement embouti lors de production semi-industrielle, soit modelé par repoussage autour, soit enfin façonné par un martelage. On parle de chaudronnage ou d'écrouissage qui confère au métal des qualités phoniques particulières. Mijn naam is Guy Warner, ik ben de president van de Tromp Saint-Hubert voor Litzeburg. En we zijn natuurlijk ganz gelukkig dat we de patrimoine immaterieel van de UNESCO zu Litzeburg kregen. En dat we nu aan een dossier multinationaal ook dabei zijn. Dat is een traditie die over 300 jaar al is, die we nu schon over 50 jaar uit Litzeburg verdrijven met concert, met massen, wat ons immer een ganz groot vreugd maakt voor. Questo strumento, che è la trompa, è una scuola che aiuti a comprendere questa musica, aiuterà una grande quantità, spero, di persone a rileggere il nostro passato e farne apprezzare tutte le bellezze alle generazioni a venire. La Fédération internationale des trompes de France a été fondée en 1928. Elle repose sur des valeurs qui nous tiennent à cœur, tels que le sens de l'effort, l'amitié, le partage et l'entraide, l'enthousiasme et la convivialité, la mixité sociale, sans distinction linguistique, philosophique ou de genre ou d'âge. Elle possède toutes, réglementairement, outre des membres, un conseil d'administration, un bureau et un président responsable. Elles sont soumises à des contraintes légales, telle que la tenue d'une comptabilité et d'une assemblée générale annuelle. La Fédération française et la Fondation pour le rayonnement de la trompe musicale organisent conjointement des colloques sur des thèmes orientés soit vers la recherche historique des œuvres et de leurs compositeurs, soit sur l'évolution de la trompe au sein de l'orchestre actuel. Hormis la même passion pour ce noble instrument, la trompe rassemble des sonneurs de toutes origines familiales ou géographiques, de tout rang social et de tout niveau d'éducation ou d'instruction. La connaissance de la musique n'est pas du tout indispensable. Au départ, beaucoup de sonneurs ne connaissent pas la musique. Néanmoins,
une connaissance du solfège, au moins suffisante pour permettre la lecture rapide d'une partition simple, aide considérablement à la mémorisation des mélodies précises hors des répétitions. Du reste, bien souvent, cette connaissance minimum s'acquiert volontiers parallèlement à la familiarisation avec la pratique de l'instrument. Pour cette raison, les enfants sont les bienvenus parmi les sonneurs, pour assurer la relève de demain dans les groupes. Une idée fausse, pourtant courante dans le public, voudrait que pour sonner, il faille développer une énergie considérable, ce qui exclurait les enfants et les femmes, alors qu'en fait, il faut surtout apprendre à gérer sa respiration. L'apprentissage de l'instrument se pratique dans les stages organisés de la même façon dans chaque pays. La même passion anime sans distinction les dames, les jeunes. Et maman, tu vas la pression, tu vas essayer d'ouvrir et d'écarter tes lèvres au maximum dans la bouchure. Vas-y, essaye d'ouvrir et d'écarter. Ça arrive. J'ai dit, on fait le son, sur le son, on fait le vibrato. Et sur le son vibrato, on pose des notes. Le chant polyphonique des sonneurs est vraiment utile et nécessaire à la pratique de leur art. Intonation similaire au coup de trompe en imitant ses ornements, piqué, taillot, roulé et vibrato. Préservation de la fraîcheur des lèvres pendant toute cette phase d'apprentissage. C'est donc une nécessité de bien chanter pour bien sonner. Approchez-vous du paillasson. Dans chaque pays sont organisés des concours selon les mêmes règles d'appréciation. Le plaisir des sonneurs de se rassembler et de sonner ensemble se traduit par une très grande convivialité. Celle-ci se reconnaît à une joie communicative, se traduisant par un total effacement des classes sociales, par la pratique du tutoiement dans les conversations, par des chants à plusieurs voix pendant ou hors des repas. Toutes ces manifestations festives sont finalement secondaires par rapport à la solennité de la fête patronymique des sonneurs. À Saint-Hubert, le 3 novembre. Le personnage historique fut un prince mérovingien qui devint le premier évêque de Liège en 705. La légende lui donna le pouvoir de guérir de la rage, bêtes et gens. Sa fête est marquée par de nombreuses prestations très populaires de trompe et par la sonorisation de messes dans toute l'Europe, depuis les plus humbles chapelles jusqu'aux somptueuses cathédrales. Mais c'est une passion. Le milieu de la trompe, très sympathique, et évidemment la trompe. Les sonneurs sont parfois interrogés sur la signification de leur tenue vestimentaire. En fait, cette tenue n'est pas de haute tradition, puisqu'elle a été rendue officielle par les concours de la Fédération française vers 1950. Elle est en fait considérée par les sonneurs comme la marque d'appartenance à une communauté et d'un savoir-faire dont ils sont fiers.
On peut composer aujourd'hui différentes fanfares, on peut les faire homologuer par la Fédération internationale des trompes de France et créer plusieurs fanfares de lieux dits ou en hommage à des personnalités, par exemple. Malgré les difficultés d'adaptation rencontrées, certains mordus évoluent vers des registres de variété, de jazz ou de musique classique. Le processus de candidature a offert l'occasion de valoriser, en Italie, des démarches de soutien à la diversité culturelle des pratiques musicales. En plus de la trompe, l'Equipaggio della Regia Venaria joue du cor circulaire en usage dans les ensembles baroques. En s'ouvrant à la technique de la trompe, transmise oralement, les cornistes, formés académiquement, ont diversifié les champs d'application de leur instrument. Avec les musiciens de cor du Haut-Adige, les sonneurs de trompe du Piémont ont entamé une démarche de rapprochement. Dans cette région, en effet, les sonneurs de cor jouent des instruments d'aspect similaire à la trompe, mais ne sonnant pas dans le même ton. Ils partagent avec les sonneurs de trompe des pièces du même répertoire. Leur placement, en demi-cercle face au public, diffère de celui des sonneurs de trompe, mais l'exécution musicale comprend aussi plusieurs voix. Les sonneries y accompagnent d'eux-mêmes manifestations privées ou publiques, telles la fête de Saint-Hubert. D'autres associations instrumentales sont courantes dans le milieu de la trompe. Écouter ces artistes ressentir leurs émotions, frémir, s'émerveiller quand vibrent les notes et que le son nous envahit. Laisser l'ivresse de la musique nous prendre.